Les policiers, accueillis en véritables héros par les habitants de Cleveland, viennent de mettre fin au calvaire de trois jeunes femmes. Elles ont été retrouvées dans une maison de la ville. Conduites à l'hôpital pour subir des examens médicaux, elles étaient encore mineures au moment de leur enlèvement, il y a un peu plus de 10 ans. Les photos d'Amanda Berry, Michelle Knight et Gina DeJesus avaient été affichées à travers la ville pour les retrouver. En vain. C'est en faisant du bruit pour sortir de la maison où Amanda Berry était retenue depuis plus de 10 ans qu'elle a alerté un voisin venu lui prêter main forte. C'est vraiment très encourageant pour la police d'avoir retrouvé ces trois jeunes femmes. Et grâce à l'action courageuse d'Amanda, elles sont toutes en vie aujourd'hui, a déclaré le chef de la police de Cleveland, Michael McGrath, lors d'une conférence de presse. La mère de l'une d'entre elles serait morte de chagrin en 2006 et l'une des jeunes femmes aurait donné naissance en captivité à une petite fille âgée aujourd'hui de 6 ans. Dans le voisinage de cette maison, c'est la stupéfaction. Trois frères, âgés de 50, 52 et 54 ans, apparemment sans histoire, auraient été arrêtés.